partir do século XV, os grandes reinos potentes e prósperos da África são invadidos pelos Estados Ocidentais. Os africanos recebem os países do Ocidente com amizade, mas esta vai gerar a escravidão, os massacres e as exportações dos negros em outras terras. O grande reino do Congo é também vítima. Em 1704 ergue-se uma jovem mulher para lutar contra estes. Esta mulher foi queimada viva dia 2 de julho de 1706, a Divulou, uma aldeia do reino do Congo. O seu nome é Kimpavita, a mãe da Revolução Africana. Une jeune femme audacieuse, courageuse, qui s'est sacrifiée pour ses idées, pour son peuple et qui était une espèce de porte-flambeau de la liberté des peuples africains. Kimpavita, au départ, c'est un modèle. C'est un modèle de courage, c'est un modèle de détermination et c'est aussi ce que j'appelle un modèle d'assomption de la liberté. Personne frêle, mais très très intelligente, très forte de caractère et je dirais qui a cette grâce qui permet tout un chacun de se reconnaître dans cette personne. Il y avait l'esclavage, donc il parlait d'Athènes avec l'esclavage. Il n'y avait plus le commerce d'esclaves à l'époque, dans ce petit temps de Cuba. Il a maintenu. Il a résisté, il a posé des questions de conscience nous permettant d'oublier la trahison de Mbemba, Alfonso Ier, et de revenir à nous-mêmes. Kimpavita.